approche plus banale ou plus dangereuse. Si garde sa outfitters, si on ne l'a pas, on l'aura. Et si on ne peut pas l'avoir... On ne paie vraiment pas assez pour gérer ce genre de choses. Oui. Neuroforceur. Bienvenue chez Neuil. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Là, je m'en suis pas rendu compte. C'est terrible. Oh, veuillez m'excuser. Avec tout le raffut que fait mon mari aux réunions de l'Alliance des marchands, j'ai du mal à bien me reposer. Ce brave homme s'est lancé dans une croisade futile contre Dietrich Siegart, à qui il reproche d'avoir payé la sécurité de Néon. Je ne pense pas, non. Je pense que mon mari n'a pas du tout compris Dietrich. Il fait sûrement ce qu'il peut pour survivre. Ne dites pas à James que j'ai dit ça. Je ne voudrais pas qu'il pense que sa femme doute de lui. C'est juste un pressentiment que j'ai vis-à-vis de Dietrich. Je suis sûre qu'il paye la sécurité de Néon parce qu'il n'a pas le choix et qu'il ne peut pas se permettre de lutter comme le voudrait mon mari. Je n'en ai aucune idée. Chaque fois qu'on aborde le sujet, ça vire en dispute. Franchement, il est si obsédé par cette histoire avec Dietrich que je crois qu'il ne m'écoute pas du tout. Je vous remercie. Je ne pourrais pas vous dire depuis quand quelqu'un nous a proposé son aide. J'aimerais beaucoup revoir mon James heureux. Il me souriait tout le temps, vous savez. Ces jours-ci, je ne vois que l'inquiétude sur son visage. Vous pouvez lui en parler si vous le souhaitez. Mais peut-être voudriez-vous d'abord faire des achats. Ok, voilà pour vous. Dietrich est en fait un homme charmant, mais il est sous pression ces temps-ci, ce qui l'a rendu plutôt aigri. Lorsque nous avons ouvert notre commerce dans le marché d'Ikushi, il nous a beaucoup aidés. Il nous a conseillés et ne nous considérait pas comme des concurrents. Je suis désolée, mais je ne pense pas que Dietrich ait tort de payer la sécurité de Néon. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour survivre dans cette misérable ville. Malheureusement, mon mari est persuadé que combattre l'administration est la solution pour résoudre les problèmes de Néon. Je pense qu'il se trompe. Merci de votre visite. Vous réfléchissez au prochain grand pas de l'humanité. Bonjour à vous, l'intrépide. Ça sent le poisson absolument partout. Normalement, ça devrait repousser les gens. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Et si on allait sur les toits pour regarder la foule s'abattre sur la plateforme ? Jetez un œil. Tu sais quoi ? Bienvenue à Sigart's Outfitter. Tout ce dont vous avez besoin pour explorer les systèmes occupés. Si je ne l'ai pas, vous n'en avez pas besoin. La vraie question serait plutôt, qu'est-ce qu'on ne vend pas ? Nous proposons un large assortiment d'équipements adaptés à l'exploration stellaire et aux excursions extraplanétaires. Vous ne trouverez pas mieux à Néon. Je vous assure, ce ne sont pas seulement des hyperboles pour vous appâter. J'ai mis des années à perfectionner mon offre en sondant les clients, en mesurant les ventes et en ajustant soigneusement mon inventaire aux besoins de chacun. Alors, prenez votre temps, jetez un œil, posez-moi des questions, vous y trouverez votre compte. Merci de le remarquer. Les frais généraux de cet endroit sont considérables, et entre vous et moi, je suis endetté jusqu'au cou. L'emplacement est parfait, juste à côté du terminal du port spatial, mais les factures et le loyer sont astronomiques.
Bien sûr, et je m'attendais bien à ce que ce soit cher. Enfin bref, je ne veux pas vous ennuyer avec mes problèmes financiers. Vous êtes là pour acheter. Pourquoi ne pas aider un pauvre commerçant comme moi et acheter quelque chose ? Mais bien sûr, voilà tout ce que j'ai en stock en ce moment. J'ai tout ce qu'il vous faut pour votre prochaine... Ma chère mère me répétait la même chose. Les frais sont plutôt élevés ici, et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais j'ai toujours été très têtu. Ça n'a pas toujours été facile, mais je suis installé ici depuis 8 ans et j'abandonnerai pas. Mon business est ma fierté et ma joie. Vous trouverez pas une autre boutique comme la mienne à Néon. Alors s'il vous plaît, aidez-moi en m'achetant une bricole. Promis, ça vaut le coup. Je suis installé ici depuis 8 ans, mais j'ai lancé mon activité à Néon il y a presque 20 ans. Dès que Ryujin a commencé à construire sa tour, j'ai su que cette ville allait grouiller de monde. Alors j'ai foncé. J'adore ce métier. C'est ma vie. Je ne m'imagine pas faire autre chose. Oui, je suis au courant. C'est en partie pour ça que je ne vais pas aux réunions. Mais si je ne paie pas Dexler, je finirai à la rue. À quoi bon rejoindre l'Alliance dans ce cas ? Je n'ai vraiment pas le choix. S'ils veulent se battre contre la sécurité de Néon, libre à eux. Mais moi, j'ai un salaire à préserver. Owen Dexler, le chef de la sécurité de Néon. Si vous voulez mon avis, il se soucie moins de la criminalité que de l'argent des commerces honnêtes. Mais il n'y a pas que lui. Tout Néon est corrompu. Si on veut survivre, on est obligé de céder à leurs exigences. Je n'ai rien contre, mais on n'est pas à New Atlantis. C'est Néon, ici. La corruption est dans l'ADN de la ville. Que peut faire une seule alliance pour arrêter un lobby pareil ? Je ne veux pas paraître défaitiste, mais je trouve que c'est une perte de temps. Ah bon ? Je ne savais pas. J'imagine qu'il me respectait. Jusqu'à ce que je commence à payer la protection. Mais il faut qu'ils comprennent. Je pourrais tout perdre si je ne paie pas Dexler. Et pourquoi ça? Elle a dit ça? Je me souviens de leur début à elle et James. Ils n'y connaissaient rien. C'était une autre époque. Ok, vous m'avez convaincu. Je vais arrêter de payer les frais de sécurité de Dexler. Et dis Tony Will que je viendrai à la prochaine réunion. Je vais peut-être même apporter à boire et à grignoter. On ne peut pas tenir tête à la sécurité de Néon le ventre vide. Ça va faire du bien de se couper un peu des clubs. Catherine Lusion nous harcèle pour qu'on enquête sur le meurtre de son mari. Allez-vous déshydrater ? Un meurtre. Oui. C'est ça. Vous faites des achats aujourd'hui ? Ben, je... Tout ce que vous avez fait, c'est lui parler ? Et moi, en attendant, j'ai été tellement borné que j'ai compliqué les choses pour rien. Tu as failli être aveugle en travaillant avec un demi-kilo de tripes de poisson dans l'œil. Donc oui, en effet.
Et je serai probablement toujours dans cette cuve de stockage sans toi. Merci infiniment pour votre aide. L'Alliance des Marchands est enfin unie. Je sais pas si cette ville sera un jour plus juste, mais c'est un début. Encore dû virer des zonés aujourd'hui. Je pense même pas qu'ils savaient sur quelle planète ils étaient. Ce sont juste des enfants qui s'amusent, James. Arrête de... Voilà la face, Rosa. Vous n'avez rien de mieux à faire. Nous vendrons également une cave d'expérience. Nous serons là quand vous le souhaitez. Placé. Vous aimeriez vous regarder dans le miroir et voir. Nom d'un chien ! Comment les habitants peuvent tolérer cette musique et cette lumière si longtemps ? Toute ma cargaison d'alcool à New Atlantis ? C'est ça. Oh, c'est pas vrai. Juste sérieusement. La dernière caisse. Ok. Arrêtons les conneries deux minutes. C'est parce que j'ai refusé de payer la douane. Non, non, non. Vous étiez là quand ces enfoirés de la sécurité m'ont pincé? Je vous en prie, aidez-moi. Je vais perdre des milliers de crédits. C'est pas mon problème. Bougez de là. Merci. Oh mon Dieu, je flippe carrément là. J'ai perdu mon job, mes crédits. Et si j'arrange pas les choses avec Yannick Legrand, je perdrai tout le reste. Absolument tout. Yannick attend un colis. Un colis pas très légal, mais si vous acceptez de lui remettre, il saura qu'il peut compter sur moi. Vous en faites pas, Yannick est plein aux as, il vous paiera. Waouh, vous avez pas l'air d'avoir inventé la poussière d'étoiles. Je vous parle de Yannick Legrand. Il propose les meilleurs alcools et rafraîchissements en dehors de l'Astral Lounge. Et contrairement à l'Astral, le prix est adapté aux vraies personnes. Et pas seulement à ces salopards de Richard. Il a aussi créé le Blend. C'est un homme de pouvoir. Mais vaut mieux pas le chercher. Oh, vous me sauvez la vie. Ma caisse se trouve dans le bloc 02, dans le reflux. Mon code d'identification est Alpha 3 Kilo 4. Donnez-le à la gérante et elle vous laissera entrer. Le colis se trouve là-bas. Tout y est. Ramenez-le à Yannick et avec un peu de chance, ce maudit cauchemar prendra fin. Ouais. Faites attention, Paris. J'ai des chambres qui sont à louer. C'est étroit, mais ça reste un toit. Merci de demander. Oh, tu me connais. Très bon choix. Au moins, vous aurez un peu d'intimité. Et pas de tâches bizarres, sauf celles que vous faites. Et il se trouve que nous avons un caisson de luxe qui vient d'arriver sur le marché. Construit pour le transport, repensé pour les gens. Juste ce qu'il faut pour les minimalistes comme vous. Parfait. Voilà la clé. Vous avez le numéro A003. Profitez de votre nouvelle... maison. Je m'en fous des preuves ou des données. Parfois, l'instinct est plus important. Pas du tout. Il faut toujours choisir le résultat le plus probable. Si vous avez son code d'autorisation, je vous laisserai entrer où vous voulez. Il se peut même que je vous remercie. Vous avez l'air du genre à apprécier. Compris. Et... le code d'identification est valide. Cherchez le numéro C153. Avant que vous ne partiez, je m'avance peut-être un peu en pensant que votre compte est plus renfloué que celui de ma clientèle habituelle. J'ai quelques caisses prêtes à finir à la décharge. Qui sait, vous pourriez y trouver de la perche abyssale qui traîne depuis une semaine? Ou l'original de Bailamos de Miguel Raphaël?
Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Bien. L'unité C203 est à vous. Bonne chance. J'ai quelques chambres qui sont disponibles à la location. Mais vous, croyez-moi, vous pouvez faire mieux. Venez, nous avons des mondes à conquérir. Chang pour grignoter quelque chose plus tard. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Oui, ça me semblait une bonne idée. Je suis tombée dessus et j'ai pensé que ça vous plairait. Ou que vous trouveriez ça utile. C'est normal. Nous sommes partenaires, non? J'ouvrirai l'œil pour vous à l'avenir. Et si je vois quelque chose, je vous le mettrai de côté. Faites attention par ici. J'ai des chambres caissons à louer. Alors ce sera la 107. Bon, y a plus qu'à se remettre au boulot. Que voulez-vous? Oui. Au revoir. J'ai quelques chambres qui sont. Et voilà pour vous. Au fait, c'est le dernier. J'ai un paquet de boîtes à louer. Pour la prochaine fois. Je suggérerais bien de réorienter les fonds pour la recherche xénobiologique, mais est-ce que nos marges... Bonjour, sa patrouille. Le Grand est le seul endroit de Néon où de tous les idées m'occuper. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les fruits de mer. De Paradiso. Et dire que tout ce temps, on pensait qu'il était devenu un misérable ermite sur Aquila. Ouais. Besoin de quelque chose? Si vous voulez du blend, j'en ai reçu hier soir. Pas étonnant que tu sois si économe.
Ok, comme vous voulez. Vous savez pas ce que vous manquez. Écoutez, j'ai pas le temps de bavarder. J'ai beaucoup de travail. Si vous pouviez vous dépêcher, ce serait génial. Dès que le public saura que j'ai reçu des stocks de blend, ce sera la ruée. Ouais, ok, vous êtes avec Neshar. Vous vous ressemblez presque comme deux gouttes d'eau. Des jumeaux. Je sais qu'il s'est fait pincer. Alors, si vous infiltrez mon organisation pour essayer de me coincer, barrez-vous. Yannick n'est la cible de personne. Vraiment. Mais c'est fascinant. Neshar a réussi alors. Finalement, il est peut-être moins incapable que je le pensais. Je me fais des illusions, c'est un charognard. Quand tous les gros poissons se sont fait engloutir par les entreprises, il reste que le menu fretin. Prenez les crédits. Je suis généreux, ma réputation me précède. Vous pouvez demander. Vraiment. Intéressant. Vous avez l'air d'avoir du talent. Un talent incontestable, même. Et personne vous connaît. Ouais. Vous avez devant vous le seul et unique fabricant du blend. Une boisson forte, délicieuse, et qui procure un sacré plaisir. Vous êtes peut-être la solution à mes problèmes. Je pense à lancer une nouvelle opération, menée de façon plus intelligente. Et vous travaillerez pour moi. Excellent. Oui. Pour préparer du blend, il me faut de l'aurore. Cette drogue est illégale en dehors de l'Astral Lounge, et carrément illégale sur les autres planètes. Si les Rangers vous chopent avec de l'aurore à bord de votre vaisseau, vous avez droit à un long séjour en tôle. Et si Benjamin Bayou découvre que vous la vendez dans les rues, la tôle est le cadet de vos soucis. Enfin, jusqu'ici, j'ai été plus malin qu'eux. Ensemble, on pourrait gagner des tonnes de crédits. Tout en continuant à ridiculiser Bayou. Et pourtant, Yannick le fait bien. Croyez-moi, il n'est pas du genre malin. À mes yeux, Neshar vaut plus rien. Il est peut-être loyal, mais si ça se trouve, il est sous surveillance. En gros, il m'est utile. Et mon autre employé, Félix Sadler, à ses côtés, Neshar est un génie. Il est temps que Félix Sadler prenne des vacances. Permanentes. Sur une autre planète. Il pourrait peut-être disparaître tragiquement dans l'océan. Je m'en tape le coquillard. Occupez-vous de son cas, et vous deviendrez un précieux atout pour Yannick. C'est le début d'une belle histoire. Peut-être qu'on pourrait s'en occuper plus délicatement, sans bain de sang. On verra bien. Félix se terre dans un entrepôt miteux dans le reflux. Vous le trouverez là-bas. Faites gaffe à vous. Juste votre bien. Dégagez, je suis en service. Plongeons-en à nos affaires et espérons qu'elle n'ait rien à voir avec l'aurore. Stop.
bien me tailler tant qu'il en a encore temps. Oh, vous avez trop géré! Visez un peu ce que vous avez fait! Ces enfoirés du clan Seoka n'avaient aucune chance! Yannick est venu à ma rescousse! Oh, dites-lui que j'oublierai jamais son geste! Et comme si j'en avais la moindre idée! Mais en tout cas, ils regretteront de m'avoir cherché! Quoi ? Sur une autre planète ? Je dois faire mes bagages ? Non. C'est pas possible. Sans moi, Yannick est foutu. On avait de grands projets. Vous savez quoi ? Que Yannick aille se faire foutre. J'espère que le clan Seoka le chopera et qu'il exécutera cet enfoiré. Et vous, allez vous faire foutre aussi, tiens. Vous vous attendez à ce que... Après ce que vous avez fait ? Mais très bien, je m'en vais. Dites à Yannick qu'il va me manquer. Ou pas. Je crois que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Vraiment. Pas du bon côté de la ville. Je vais vous faire une faveur. Retournez à Bayou Plaza avant que les disciples vous tombent dessus. C'est un gang. Le pire qui soit. Ils vous poignardent pour s'amuser et prennent des paris pour savoir combien de temps vous allez couiner avant de vous vider de votre sang. Et c'est pas des conneries. Ils font vraiment ça. Pauvre Ted. On doit veiller les uns sur les autres, pas vrai? Nous, la populace, on pensait que les Strikers étaient horribles. Ils nous agressaient, nous estorquaient. Mais maintenant qu'ils sont sur la corde raide... J'aurais aimé qu'ils se contentent pas de vivre en reclus chez Madame Sauvage. Dans les rues, ça devient l'enfer. Vous les trouverez chez Madame Sauvage. Ils organisent des auditions, qu'ils disent. Ils cherchent du sang neuf. Hé, hey, je vous ai été plutôt utile, non? Vous pourriez pas me donner un petit quelque chose en échange? Ça pourrait me sauver la vie. Avec les disciples et tout ça. Ayez pitié, quoi. Ouais, merci. Je le pense vraiment. Retournez à la plaza. Ici, tout n'est que misère. Besoin de quelque chose ? J'espère pas perdre mon... Je sais pas...
Bon, allez, dégagez. Je suis occupé. Certains disent que cette ville renferme les pires instincts de l'humanité. Vous êtes pas de la sécurité, n'est-ce pas? Vous avez réglé le problème de Félix? Je suis certain que vous y avez pris plaisir. Merde! Non, pas du tout. Mais je découvrirai le fin mot de l'histoire. Vous obtenez des résultats, tout comme moi. Enfin, pas autant, j'espère. À présent, voici la nouvelle stratégie d'entreprise. Je suis le patron, et vous êtes mon bras droit de talent qui gagnera de belles récompenses. Pigé? Le blend est en train de s'épuiser. Les clients seront bientôt en colère, et c'est pas bon pour les affaires. Il nous faut de l'aurore. On peut uniquement en trouver à Xenofresh Fishery. Neshar y travaillait, et avait un contact secret dont j'ignore l'identité, qui lui fournissait de l'aurore. Possible. Enfin, ça n'a plus d'importance. Il est temps que vous trouviez un emploi chez Xenofresh. Montrez-leur à quel point la productivité, ça vous connaît. Voici de bonnes références. On ne peut plus légitime. Votre nouveau nom sera... Riley Chernyshevsky. Ravi de faire votre connaissance, Riley. Vous postulez pour bosser dans la production. Vous savez fabriquer des amphètes, non? C'est une recette simple. Tous les candidats doivent connaître les bases de la chimie. Utilisez le centre de recherche là-bas et analysez-moi ça. Vous vous en sortirez très bien. Enfilez votre plus beau costume, Riley, et faites bonne impression. Le contact de Neshar devrait chercher quelqu'un dans votre genre. Trouvez-le. Ensuite, on engrange de l'aurore, et à nous les bénéfices. Venez boire un blend, je comprends. C'est le meilleur cocktail des systèmes occupés. Non, pas aujourd'hui. Je m'en tiens à la bière. Bon, comme vous voudrez. Tant pis pour vous. Votre secret est en sécurité avec moi. Donnez-moi vos ingrédients secrets. Tant mieux si vous aimez ça, mais je ne vous donnerai jamais ma recette. Ce ne sera plus un secret si je le crie sur tous les toits. Oh, allez, c'est pas non plus un code nucléaire. Dites-moi. Ne jouez pas avec le feu. Les ingrédients resteront secrets. Maintenant, lâchez-moi la grappe. Faites attention si vous tombez sur ces abris. Bonjour.
Néon n'est que vice et décadence. Je suis à la fois dégoûtée et impressionnée. Bienvenue chez Xenofresh, la fierté de Néon. Vous êtes au bon endroit. Xenofresh est toujours à la recherche de nouveaux membres pour sa grande famille. Le kiosque pour candidater se trouve là-bas, mais n'hésitez pas à me poser des questions. C'était sympa de discuter avec vous. Causer. Moindre problème, et je vous traîne directement en prison. Riley ? Oh mon Dieu, c'est Chernyshetsky ? Cherry ? Je suis sincèrement désolée. Madame Gurov souhaiterait vous faire passer un entretien pour le poste. Elle se trouve dans le bas-ventre, à l'usine. Passez une bonne journée ! Gagnerait une fortune s'il nous laissait pêcher des perches. Dire ce que Bayou s'est construit ici. Les quotas de production sont en baisse, Valentina. Le lounge attend une délégation bientôt. Vous devez arranger ça. C'est pas moi qui ai promis une augmentation de 30% ce trimestre, Libby. En fait, vous pouvez trouver ma foutue recommandation dans votre dossier. Vous savez, celle que vous avez ignorée. Monsieur Bayou s'attend à ce que l'événement se déroule sans encombre. Je ne peux pas faire quelque chose à partir de rien. Tout se casse la figure ici. J'ai besoin que mon nouveau budget soit approuvé, immédiatement. Allô ? Allô ? Vous êtes là pour le poste vacant ? Riley, c'est bien ça ? Vraiment ? Vous, docteur ? Soit vos qualifications dépassent largement le niveau du poste, soit vous mentez effrontément. Mais ce n'est pas très important, de toute façon. Vous connaissez les bases de la chimie et vous semblez vivre et respirer. Je vous engage. Le salaire est bien mieux que tout ce que vous trouverez dans la rue. Enfin, si vous tenez. Tenez, enfilez ça. Il est temps de vous mettre au travail.
Suivez-moi. Voyons voir comment quelqu'un qui travaille durement et avec zèle fait son travail. Portez cette combinaison en permanence. C'est pour votre sécurité. Il est hors de question que vous mouriez parce que vous êtes incapable de suivre des simples. Compris ? Alors, voilà l'installation. Ne vous éloignez pas. Vous travaillez à la chaîne et vous obéissez aux ordres. Ensuite, vous récupérez la paye et vous retournez dans le trou d'où vous venez. Ne posez pas de questions. Faites seulement ce qu'on vous demande. Rappelez-vous, vous n'êtes qu'un petit rouage dans la machine Xenofresh. Ne parlez pas aux autres, sauf pendant la pause. Voilà la chaîne de montage. Le travail est simple. La trémie va vous donner les ingrédients. L'ordinateur vous donne des instructions. Vous devez prendre les ingrédients dans la trémie. Nous savons au millégramme près ce qui est nécessaire. Alors prenez ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Vous croyez, hein? On a aussi un rythme à tenir et un quota à respecter. Dès que l'écran vous donne un composé, le chronomètre démarre. Utilisez la station pour fabriquer le composé et mettez-le dans l'autre trémie. Si vous êtes plus rapide que le temps indiqué, vous gagnerez peut-être le titre de membre du personnel du mois. Un jour, vous aurez peut-être même une promotion et vous aurez droit à vos propres rats en cage. Et si vous traînez... En fait, ne traînez pas. Des questions? Concentrez-vous, travaillez intelligemment et rapidement. C'est bon pour vous? Vous avez droit à un essai sans limite de temps pour apprendre le fonctionnement du système. Après, l'heure tourne. Finissez votre service. Faites-le dans les règles de l'art et vous pourrez peut-être revenir. Vous pouvez aller dans la salle de pause avant de partir. Début du programme de formation. Fabriquer un lot de Romaine Miracle. J'aimerais aussi être paré à toute situation, mais il y a des limites physiques, non ? Je dois avaler encore un tube de chalut. Je crois que je vais vomir. Fabrication, pénicilline X. Un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. Fabrication, pénicilline X. Vraiment un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. Fabrication terminée. Fabrication, pénicilline X. Un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. Je travaille chez Xenon depuis des années. J'ai vu Bay. Fabrication terminée. Votre service est terminé. Vous pouvez aller dans la salle de pause ou rentrer chez vous. Rendez ça tout.
ça vous fait rire. Je vais vous montrer. Les nouveaux visages n'arrêtent pas de défiler ici. Ah, je préfère nettoyer des poissons que de faire partie d'un gang de rue. J'espère que le reste de votre journée sera productif. Enfin terminé. Je vais pouvoir passer chez le Grand et me blinder la gueule, hein? Je ne consomme pas, mais travailler avec de l'aurore me donne de ces hallucinations. J'arrive. Ce que je donnerais pas pour une bonne semaine de soleil. Ah. Une journée de plus au paradis. Bienvenue. J'espère que vous aimez que tous vos mouvements soient enregistrés et numérisés pour la postérité siliconée. Ici, là, partout. On sent qu'ils nous font confiance. Ouais. On doit se serrer les coudes. En parlant de sécurité. Oh non, une panne ? Heureusement pour nous, ces cette année machines ne fonctionnent pas 98% du temps. Vous connaissez Neshar ? Le pauvre s'est fait prendre par la sécurité. Bingo. Si je suis toujours libre, c'est que Neshar ne m'a pas balancé. Je savais que son patron enverrait quelqu'un pour le remplacer. Alors on va rebosser ensemble ? Merde. J'aurais aimé que Neshar me prévienne. Oh, je suis trop impliquée pour faire marche arrière. Je vais vous donner les coordonnées de la marchandise. Ensuite, vous vous débrouillez. S'il vous en faut plus, rejoignez-moi après votre service dans la salle de pause. Et je vous donnerai de nouvelles coordonnées. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je n'aurais jamais pensé travailler dans un laboratoire de drogue.